Je reviens sur la philosophie du couple, la phénoménologie du couple, si on préfère. Et il y a des choses qui n'ont peut-être pas été assez clairement exposées et qui ont été mal présentées. Premièrement, j'ai dit dans une précédente vidéo, vous pouvez trouver, je pense, sur notre chaîne, que les femmes étaient sensibles à la gêne physique et les hommes à la gêne auditive, orale. Mais en même temps, je dirais que le couple se fonde là-dessus, justement. Parce que les défauts, les insuffisances sont un élément important de la relation. Parfois, on dit qu'on aime les gens pour leurs défauts. Mais même sans aller là, on ne peut... Le défaut permet l'intrusion. Si quelqu'un se lave mal, ou nettoie mal son logement, ça l'autorise une intrusion de la part de la femme. Et donc, ça autorise quelque part une prise de contact, si on peut dire. Et si une femme commet des abus, des excès de langage, formule les choses d'une manière excessive, ça autorise l'homme à intervenir. Donc ça permet aussi une intrusion positive, en l'occurrence. Une intrusion positive dans la vie de la personne qui débouche éventuellement sur une intrusion sexuelle. Alors, il faut aussi éviter de confondre l'auditif et le verbal. Les femmes peuvent être perturbées par la parole, peuvent réagir aux paroles. Elles ne sont pas blindées contre les propos, et souvent, les femmes ne supportent pas certaines expressions. Et parfois, certaines expressions malheureuses ou jugées malheureuses suffisent à les faire réagir. Donc c'est plutôt une nuisance sonore, donc verbale, par rapport aux hommes. Les hommes aiment un certain silence. Et lorsqu'il y a trop de paroles, mais quel que soit le contenu, ce n'est pas important ce qui se dit, mais c'est le fait d'entendre des choses qui se disent, des paroles, tout simplement. C'est ça qui est gênant. Mais j'ai eu tort de dire que les femmes étaient indifférentes au contenu. Non, elles ne sont pas indifférentes au contenu. Au contraire, elles attachent beaucoup d'importance à ce qui est dit. Mais elles sont en revanche indifférentes à la sonorité, au bruit des paroles. D'accord, en fin de compte, elles ne sont pas indifférentes au fond, mais elles sont indifférentes à la forme. Et les hommes, eux, la forme est parfois est plus importante que le fond. C'est-à-dire que le fait d'entendre des gens parler est une nuisance, quand bien même dirait-il des choses intéressantes. Voilà, c'était cette mise au point que je voulais faire, parce que parfois on ne resserre pas assez les boulons et on ne relie pas complètement les informations, les données qu'on possède correctement. Voilà ce que je voulais dire sur le couple, pour être un peu plus dans la vérité de la relation.